Salut tout le monde, c'est Alex le serveur, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Settlers 2. Ça y est, la guerre est déclarée contre nos voisins. Oulala, toute une armée de légionnaires se dirige du coup dans nos nouvelles forteresses. Alors, est-ce qu'on va trouver du coup cette fameuse porte? On a exploré, bon, on va dire une bonne moitié, on va être optimiste. On est sur une carte en forme de donut, j'ai l'impression, hein. Ah, voilà. On a mis un petit peu le feu, c'est très bien. Alors, ici... Ah, pas à construire, oui. Faut que je pète le drapeau d'abord. Voilà, une mine de fer. Et je vais rappeler encore des érudits quand même. On va les appeler jusqu'au milieu de la montagne. On ne sait jamais, on a peut-être des ressources importantes. Je sais plus ce qui manquait, je crois qu'il manquait de l'or en fait. Bâtiment occupé. Pendant ce temps, on y va progressivement. Ici, je ne pense pas qu'on ait besoin d'avancer, mais... Ah, c'est vrai qu'il y a le danger de la catapulte, de toute façon, des catapultes. On va prendre celui-là, en fait. Ou faire une attaque conjointe. Oh, faut se méfier. Regarde, il y en a qui bougent, là. Ouais. Pas celui-là, c'est celui-là, voilà. Ah, les mines qui s'épuisent. Ça, c'est pas une très très bonne nouvelle par contre. Alors. On sait jamais. Alors, bien. Je sais pas ce que tu vas pouvoir viser, mais au cas où, au cas où. Des observateurs. Alors là, c'est bien, c'est fini. On peut aussi progresser un petit peu. Il faut juste que mon armée puisse arriver. Et... Ah, le problème, c'est que là, voilà. Alors, mes pièces, par contre, elles se trouvent ici, elles sont pas utilisées. C'est un petit peu dommage. Et je crois que je ne peux plus en produire. Effectivement, j'ai plus d'or. Du fer, bon. On peut choper du fer, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mon lapin? On est assailli. Oula! Faut qu'on résiste. Allez, c'est une grosse attaque en plus. Aïe! On a perdu celui-là. On va le tuer comme ça, voilà. Et puis on va en rebâtir un. À moins qu'on en profite pour... C'est quoi, manœuvre risquée, on va quand même sauvegarder. Parce que je sais pas si ça vaut le coup, si on va réussir à détruire les catapultes qu'il y a autour. Donc là on lui a pété du coup, c'était le mien mais bon c'est pas grave. Là il ref... Non, ça a l'air d'être le même bâtiment, ça va. Lui qui nous gêne d'abord. Alors lui il est assez faible donc c'est intéressant. Ok. Lui il est un peu plus costaud.
Bingo, j'ai pu niquer les deux forteresses du coup. Ah! Ça, ça va l'enquiquiner. Le problème, c'est que mes territoires ne sont pas réunis. On va quand même tenter de les réunir. Oula, c'était un entrepôt, c'était son truc principal. Parce qu'il y a beaucoup de gens quand même. De l'eau en sous-sol. Alors de l'eau, je m'en fiche un petit peu, les amis. Pour tout vous avouer. Ok, un bâtiment militaire ici. Allez, notre petite forteresse. En bas, ça donne quoi? Ça donne que j'ai perdu, apparemment. Je vais le retenter quand même. Est-ce qu'il faut qu'on puisse relier quand même à notre territoire? Ce serait plus... Ce serait mieux. Plus de poissons. Ah. Allez. Ciao poissons. Allez, s'il te plaît. Est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il y en a un autre qui va sortir? Il y en a un autre qui sort. Ah! Ah! Allez là! Ils viennent d'où? Pourquoi ils... Oh, ça bouge pas mal là, les... Ouais, forcément les frontières évoluent donc... Bon. Il a quand même eu pas mal de morts chez lui. Revenons à nos moutons, ici. Alors ici, serait pas mal de faire une petite route jusque là, voilà. Et mettre des érudits ici aussi. Alors faut qu'on observe parce qu'il faut qu'on sache où se trouve la porte pour qu'on puisse avancer de façon efficace. Allez les mecs, dis-moi que c'était le dernier. Oh, c'est pas vrai. Il n'est même pas relié à une route. Pouvoir mettre des catapultes comme ça. Enfin, j'espère. Comme ça, avec des catapultes, on pourrait péter cela. Et on aura bien progressé en termes de frontières. J'allais dire, il y a encore du rouge ici, mais non, c'est la lave. Allez. On n'est pas très loin, hein. On est juste au nord. Ou au sud, enfin ça dépend. La terre est ronde. Toutes ces petites terres sont petites, sont rondes, c'est bizarre hein, quand même. Oh mais il est faible. Mais il y a un fort avant. Après. 4 sur 4 c'est bien gentil, mais si vous m'envoyez qu'une seule personne à la fois... Ah voilà. Oh, c'est pas vrai, il y en a un autre qui se pointe.
Allez, s'il te plaît. Je suis en train d'épuiser mes soldats là. Ah! Ça commence à m'agacer, hein. On a perdu pas mal de soldats avec ces conneries. Mine épuisée. Mine de je sais pas quoi, peut-être du granit, ça se trouve ici. Bon, du charbon, on en a plein, mais... L'or est mort. Alors, bien. Bon, là, c'est parfait. Juste à tirer pour se débarrasser de ça. Ah, c'est là leur... La porte a l'air d'être au nord. Hein. Je pense pas qu'il y ait grand chose par là. Tiens, on va occuper un petit bûcheron ici qui va peut-être pouvoir péter tout ça et après on va mettre une catapulte. Et on pourra éventuellement progresser de ce côté-là. Faut des pierres maintenant, les amis. Hein. Ah bah les voilà déjà, je crois. Parfait. Il y en a plus d'une. Mais c'est pas possible qu'il y ait rien, quoi. Ils ont déjà repris toutes les ressources. Ah, ça, ils ont refait une route. Il me faut à tout prix ce passage. Du charbon. Miracle. Pas reconstruire pour l'instant. On est trop près du chemin. Non, c'est pas grave. Allez là. Oh! Du fer! Ah! Une mine épuisée. Une mine de fer, justement. Ah bah, il n'y avait plus grand chose ici. D'unité là. Limite, je devrais recharger et juste conserver ce truc là et puis attendre que mes unités se fixent pour ensuite réattaquer parce que là. Il y a encore des gens ici. Bon. Mais ils veulent pas l'attaquer. Ok. Thank you.
Et si t'apprenais à viser. Les mines, c'est catastrophique aussi. Bon, je vais charger quand même. Tant pis. On a perdu que 5 minutes, ça va. Okay, bâtiment pris par l'ennemi. J'aurais peut-être dû sauvegarder quand même avant de charger. C'est pas grave. Alors, par contre, là, pourquoi il n'y a qu'un seul qui part? Ah, voilà! Parfait. Alors attends. On va sauvegarder ici. Ok. On va retenter celui-là pour voir. Parce que là peut-être avec son mouvement de troupe, il a eu le temps de se refaire des défenses tout à l'heure. Mais là peut-être que si on le prend au dépourvu... Allez, dis-moi qu'il y a des troupes qui y vont, là. Pourquoi personne n'y va? Je comprends pas. 3 sur 3. Personne ne bouge. C'est pas drôle. Crotte. Bon. Ok. Personne ne semble décidé. Voilà. Œil pour œil, dent pour dent. On revient ici. Refaites-moi cette catapulte. Allez, des érudits. On va remettre des observateurs. Ici, on va remettre un petit bûcheron. On va attendre que les troupes fassent je sais pas trop quoi. Mais on va attendre quand même. Bâtiment occupé, prise d'un bâtiment ennemi. On va attendre qu'elle se redistribue et on verra pour réattaquer plus tard. Plus de poissons, oui. Bah dis donc, déjà, on est à la cinquième mission, il en reste 5. Faut pas demander par la suite hein, quand même, quand on va devoir se taper tous les ennemis en même temps, ça va être sympathique. Bon, du coup là on va rester comme ça, voilà. J'aimerais bien quand même péter ces... Oui, quoi, de l'eau, mais je veux pas de l'eau. Je pourrais tenter de passer par là quand même. Tac, 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 tac. On va... Je
Je joue prudemment, hein. Je fais comme dans... comme dans Heroes of Might and Magic 2 maintenant. Ah mais tu m'envoies des... Tu m'envoies des pecnos là, quand même. Il faut qu'on retrouve de l'or. Aïe aïe aïe. Là, j'ai... Avec les pecnos, ils ont passé de point de vie là. J'ai beau en avoir plein des soldats s'ils sont pas puissants. Faut juste compter sur leur surnombre, mais. T'as vu là, ils se défendent bien quand même. Ah non, tu vois, c'est mort. C'est mort. C'est mort, Biquet, c'est mort. C'est même pas la peine d'attaquer comme ça ici pour l'instant. Il va vraiment falloir qu'on s'occupe des catapultes. Bon. Donc ici, il faut pas qu'on s'amuse à perdre nos... Là, on sait jamais. Peut-être qu'on peut grignoter un petit bout qui me permettrait de construire une catapulte ensuite. Bon, j'y crois à peine, mais... De toute façon, il peut rien construire, il est isolé. Il faut les catapulter, on n'a pas le choix. Bon, là, on voit que les personnages se redistribuent. C'est pour ça que ce serait bien qu'on se débarrasse de tous ces bâtiments-là, comme ça le front il va évoluer à l'ouest, et tous nos légionnaires puissants, ils iront par là. Non mais là je suis... hyper triste, y'a rien. Y'a que dalle. Voilà, c'est de la foire aux mines épuisées encore une fois. Là, je ne sais plus ce que c'est, mais je vais relier après tout. Une mine d'or. J'espère que c'est pas un... Si ça va être un truc de... Parce qu'il va me péter ma catapulte, ça se trouve. Ah, quoique. Non, peut-être pas. Ah, de la flotte, si t'en veux, il y en a. Mais bon. Je vais quand même mettre une route jusque-là. Voilà. Voilà, une tour de garde. Non, quand même pas. Non, non, c'est comme ça, une tour de garde. Mais il m'emmène là aussi. Si si c'est un bâtiment. Si 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 c'est un bâtiment de. Oui. Dépêche-toi. Amène les pierres là. Ouais, c'est bon, elles sont en route. Ouais. Parce que s'il l'occupe, j'ai peur que ça détruise ma catapulte, hein.
Autant dire qu'avoir fait tout ça pour ça, je serais un petit peu deg. Ou alors je tente un move désespéré, mais laisse tomber quoi. C'est trop bien défendu. Du fer. Ah oui, celui-là on l'avait repéré tout à l'heure. Déjà ça. Bon, on peut créer des nouveaux soldats, on peut pas les améliorer, mais on peut avoir des nouveaux soldats. Il a encore de l'or, lui. Encore du fer. Ah, mais une liquette de fer, là. C'était bien du granit, ici. Bon, moi, ça me fera des pierres achetées. Du charbon. Écoute, c'est pas mal. Trouve-moi de l'or surtout. Pas que ce soit occupé, hein. Si c'est occupé, on va perdre la catapulte. Si on perd la catapulte, je vais pas être content. Bon, t'attends quoi pour tirer là? Il met des plombs à amener ses pierres? Allez, dépêche-toi de tout couper, toi, bûcheron. On puisse en foutre une ici aussi. Ah, voilà. Morceau de mon armée qui va aller jusque là. Dommage que je puisse pas attaquer son fort avant qu'il y ait quelqu'un, c'est un peu con, mais bon. Un sur 7 là quand même. Après, bon. Ça va être bien défendu malgré tout, même s'il y a que 2 unités à l'intérieur. Moi avec mes pauvres unités pas puissantes, oui, alors. 2 secondes, mine épuisée. Ah, ça change que ça. Super. Ouais, autrement dit, ça sert à rien. Voilà, on peut le dire. Voilà, c'était sympathique. Donc, elle est déjà finie. Merci, hein, c'était bien d'avoir participé. C'est quand vous voulez pour la pierre, hein, parce que franchement, je sais pas, mais... C'est bon, elle arrive là. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose qu'on continue à avancer vers vers le nord? La porte va pas être au nord. Ça, enfin, ça se trouve, elle est là en même temps. Du coup, je sais pas, je suis perplexe. En tout cas, il a pas de nouveaux soldats, lui. Il galère un petit peu. Est-ce que j'en ai en stock, moi? J'ai des épées en stock. Réserve. Tiens, je vais retirer mes. Je vais mettre juste un soldat comme ça en réserve. Voilà, de toute façon ils sont pas prêts d'approcher les autres, les ennemis. Un petit peu de soldats ici aussi en réserve.
Ah, c'est technique, hein. Technique, tactique. Observateur. Là, regarde, il y a des trucs à explorer quand même. Quoi? J'ai toujours peur que ce soit un truc hyper négatif. Je suis en train de perdre des mines là. Oh là là. Bon, tu les tues ou tu les tues pas? Ah, de la pierre. Une seule. Il en faut 4 les mecs là. Elles sont où les autres? Il y en a 699 dans le QG, sérieusement? C'est trop lourd. Je vais entrepoter ici, voilà. On va entrepoter comme ça. Enfin, c'est pas pour ça qu'il y aura un stock de pierre, mais je sais pas, je... pierres, quoi. C'est même pas foutu de... Oh non. Ah, bah apparemment on a résisté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça doit être des mines qui doivent être terminées. Allez, détruis-moi ça et ça, là, je pourrais mettre une petite catapulte ici. Et ça va être sympathique. Mais d'où viennent les pierres? C'est ça ma question. Parce que si elles attendent de faire tout le tour depuis les carrières, qui en plus ont quasiment pas de bouffe, vu qu'elles sont pas du tout prioritaires. Parce que j'ai plus de carrière en fait. Bah non, y a plus de pierres. Ici y a plus de pierres. D'ailleurs, voilà. On peut mettre un petit raccourci maintenant. Hein. Quand même plus pratique. Une ferme là, ça aurait été mieux en fait. Hein. Bon. La pauvre ici, elle a qu'un champ. Non, je vais brûler celle-ci, voilà. Autant refaire une. Pour en faire au moins 2 ou 3 des champs là. Oui, ça me coûtait des pierres, mais c'est pas grave. On est plein en réserve. Faut juste qu'ils les amènent. Ils veulent pas les amener. Bon, au moins on perd pas le territoire, ça c'est le principal. Péter ça là. Ici. Ah, c'est pas mal ça. Ah non, non, celui-là. Oula, on se fait attaquer. Oula. Alors, attention, parce que voilà, t'as déclenché le... Voilà. T'as senti le kraken.
Ça se trouve, celui-là, il est assez proche pour attaquer celui-là. On le saura, ça coûte rien de bâtir, de toute façon, voilà. Je vais mettre 1000 catapultes. Objectif, hein, c'est 1000 catapultes. Et ici, ça va, on résiste. Attention, ils reviennent à l'assaut. Hein. Dépêche-té. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Ah! On a détruit ça. Bien. Attends, ma stratégie, là, elle était trop bien. Déjà, super. À peine construite. Ah, ça fait plaisir. Super heureux. Allez là, cet arbre là qui gêne. Fais gaffe, t'es le dernier. Ouf. Il faut qu'il y ait quelqu'un là, il n'y a plus personne. Tu vas où? Où est-ce que tu vas? Mais détruis le bon arbre, toi. Bon. Toi, faut que tu continues à faire des dégâts. Je sais pas jusqu'où tu peux. Là-bas, ouais. Ça nous fait avancer un petit peu, c'est bien. Par contre, là, on va être dans le champ des catapultes si je construis un truc ici. Et je pense pas que tu puisses avoir une portée assez longue pour attaquer la forteresse ici. Ah, il m'envoie un bleu là. Oh mince. Dépêche-toi, il est en train de faire des conneries là. De la bleuzaille. Bon, ici ça se présente comment? On a buté un quand même. Ah, c'est hautement stratégique, mais ça coûte catapulte, c'est un petit peu... C'est un petit peu longué. Heureusement qu'on peut accélérer quand même le temps, parce que... Je pense pas qu'on puisse se permettre, hein. Clairement pas. Là, il y a juste celui-là, tu vois. Cet arbre aussi. Et peut-être qu'on pourrait construire un truc intéressant. Je vais tenter juste. Qu'est-ce que tu vas m'envoyer comme... Que des bleus. Mais alors, bleu puissance... bleu je te veux, hein. Alors que là, j'ai la méga forteresse avec des... Oh purée. On va se faire rétamer. On va pouvoir charger la partie. Quoique, j'ai pas l'impression que ce soit des... On meurt vite quand même, hein. Après, si on perd que des comme ça, ça, à la rigueur, c'est pas gênant. Enfin, au moins qu'on puisse quand même en battre un, voir s'il y en a d'autres, mais... Ah! Oh bah ça c'est intéressant. Je sais pas du tout où se trouve leur forteresse, mais... On va vite construire des catapultes partout. Quel beau brasier.
dit. Ah non, c'est pas mal tout ça. Non, pas érudit, observateur. Ah ouais, là, on a fait une belle percée du coup. Même si on a perdu plein de genoux, c'est pas grave. On leur a pris un sacré truc. Faut juste qu'on m'envoie plein de renforts. Parce que bon, je vais pas tenir longtemps si jamais ils m'attaquent. Surtout que les rouges, ils sont assez vindicatifs, je trouve, par rapport aux jaunes. Ah ! Mince. Ah, ça va faire trop loin. Attends, j'ai une solution. Hop, on a plus besoin de toi exactement. Donc peut-être qu'en se détruisant là, peut-être que j'aurai assez pour mettre un truc ici. On verra. On va attendre que le feu disparaisse. Une petite mine d'or. Bon, ça m'étonnerait qu'ils aient laissé de l'or quelque part en même temps, hein, mais... Hop, on va les repousser comme ça, on va repousser le front comme ça, tac, eux ils seront libérés un petit peu. De l'eau, oui, cool. Voilà. Ah, parfait. Youpi, de l'eau. Non, on s'en fout. Elle va me construire des trucs là du coup, donc dépêche-toi de bien les... hein, les ratatiner. C'est une bonne guerre des catapultes. Ah, voilà, celle-ci va être occupée. Il manque plus que de la pierre qui est en route apparemment. En espérant que ce soit assez proche. Boum. Bon, au pire, c'est pas grave. On aura tenté. Ah, bah voilà, bah elle est bien maintenant cette ferme-là, c'est mieux. C'est bien mieux. On voit la progression du terrain quand même. Ah. Ah mince. Non, même pas. Ça, même pas aidé. Celle-ci. Ok. Ça c'est embêtant. Je pense pas que ce soit... Écoute, de toute façon, on ne sait pas, mais autant tenter. Ça coûte rien, il y aura deux catapultes l'une à côté de l'autre, c'est pas très grave. Ça se tente. Il y en a plein à construire dans le coin quand même, des catapultes. Encore. J'ai bien trouvé, je sais pas, une petite piécette quelque part quand même. Plom, plom. Ah non. Ah! Eh ben, j'ai pas fait de la construire cette catapulte. Allez, des renforts là. Il est tout seul. Du coup, oh parfait. Haute catapulte. Très bien. Elle va pouvoir détruire et ça, et ça. Et la ligne de front, tac, par là. Ah, super. Buter ça, très bien. Là, c'est bien ça. Allez, vite, 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 vite ça. Oui, là par contre, elle peut plus rien tirer, mais c'est pas grave. Elle m'aura bien aidé, celle-ci aussi. Ouais, voyez.
petit à petit, comme ça, petit coup de catapulte après petit coup de catapulte. Vu qu'on a plus d'or, c'est une bonne technique. Et vu qu'on a énormément de pierres sur ce territoire, je pense que c'était volontaire de toute façon. Alors, ok, donc vous utilisez ici comme un vrai chemin. Bon bah autant que je vous mette des drapeaux parce que les pauvres, vous allez galérer sinon. Non, alors du coup, c'est plus la peine de mettre des pierres là, hein, les mecs. Ah non, arrête, hein. Arrête! Ah, c'est bon, il y a du backup. Il y a du backup qui arrive. Pas du backup puissant, mais c'est... On sait jamais. Allez, c'est pas le moment. Oh, mince! Oh la bitch. Tu vas me récupérer ça tout de suite. Ah mince, il m'attaque en même temps. Vas-y, réagis. Bim, bingo. Allez. Oh purée, faut aller vite là, les mecs. Faut aller vite et construire une forteresse, quoi. Mais bon, pas trop le choix. C'est bon, 3 puissants, ils résisteront. Bon. On a minimisé les dégâts. Faut vite construire cette forteresse, qu'on puisse réavancer avant que lui il avance trop. C'est bien. C'est bien, ils apportent déjà les ressources. Ok. Hop, on les puise bien là, c'est bien. Ah! Je mets un petit entrepôt ici. Arrêtez avec ces mines épuisées. Oh mon dieu, c'est une des dernières mines de fer. Ah, les mecs, c'est urgentissime. Il nous faut du fer. On va pouvoir faire d'armes sinon. Ah, ça va pas aller là. Il faut que tu tires là-bas. Regarde, bim. Éloigne le front. Donc ça s'est construit mais inoccupé. Il faut qu'on occupe notre forteresse avant. Pas qu'elle me bouffe ma catapulte encore une fois, ni ma forteresse en train d'être construite. Mais tu me diras, ça aussi c'est inoccupé. Ouais, il est en train de perdre un petit peu le contrôle du fer. Oh là, du fer. Voilà. Par contre, toujours pas de porte.
pour lancer des observateurs, mais... Charbon, ouais, écoute. Cool pour le charbon, mais c'est pas prioritaire, j'ai que ça quasiment, donc... De l'eau, on s'en fout. Allez là, vous... Je vais me le faire vite fait. J'ai hésité parce que je me dis, est-ce qu'on peut pas passer par là? Mais ça me paraît un peu trop étroit. Et tac, vite fait, hop, on fera la route. Je sais pas si on aura le temps dans nos 10 petites minutes, mais... Est-ce qu'ils vont... Ah, voilà, ah, ils ont été libérés du front. Allez, on peut mettre une petite tour de garde pour fêter ça. Alors ça, c'est très bien, du coup, ça me libère plein de bons soldats. Et bah justement, qui vont pouvoir aller prendre la petite forteresse ici. Des petits cailloux là. Ah bah voilà, ça cailloute déjà ici. Hop. Très bien. Parfait. Oh, c'est parfait, ça, c'est magnifique. Ça sert à rien. Peut-être ici, on verra, mais... Limite, on pourrait tenter de lui prendre son... Je sais pas ce qu'il garde son QG. Est-ce qu'on le tente ou pas son QG? Bon, où est la porte? Où peut bien être la porte? C'est ça la vraie question. Ils l'ont mise au sud-ouest, je pense. Derrière les rouges. Parce que c'est plus loin, donc forcément, voilà, juste pour nous embêter. Donc on s'en fout de son QG. Et explore un peu plus. C'est bien, cela dit, les observateurs, ils peuvent aller tranquillement chez les ennemis. Personne ne les inquiète. On en est où de la forteresse? Ah, peut-être qu'en 5 minutes, on aura le temps, allez. Et tout ça, on sait qu'on va pouvoir le péter. Vaut mieux le péter que le prendre de toute façon parce qu'elle a une catapulte. Entrepôt terminé, très bien. Mine épuisée. Apporte pas de la bouffe hein. Dans une mine épuisée, ça ne sert à rien. Alors une collection de charbon, moi. Ah bah c'est bien, vas-y, coupe le bois, ouais.
me demande si c'est bien défendu quand même son QG. Neuf. Ça me tente. On voit les meilleurs, hein, bien sûr. Ah, c'est beau là. Et apparemment, il a des soldats de merde. Mais beaucoup de soldats de merde. On a buté un. Ah, pas que de la merde, non, effectivement. Celui-là, évidemment, il est un peu plus costaud. Ah, c'est au sud? Déjà? On a buté 3. Yes. Ah! Apparemment, je l'ai eu. Mais on a quand même buté 3. Il était pas si menaçant, de toute façon il était assez affaibli. Je vais quand même garder mes unités. 3, ça fait beaucoup. Et c'est pas forcément ultra nécessaire tout de suite de lui prendre ça. Je suis sûr que la porte est au sud. Donc on va d'abord aller checker le sud. Le jaune est beaucoup trop affaibli pour être une menace. Il m'a juste retardé en fait, mais je pense que c'est le rouge, le véritable ennemi du coup, qui garde la porte. Donc on va attendre d'occuper notre forteresse pour pouvoir préparer la route jusqu'à nos nouvelles catapultes, encore une fois. Qui vont permettre de péter ça. Et ça va déplacer le front. Et libérer plein de bons soldats à nouveau. Et pouvoir explorer un petit peu dans le coin aussi quand même. Je pense qu'elle va être par ici la porte. Là, elle n'est pas évidente comme mission, hein. On met du temps. Voilà, bien, et ben c'est sur ceci que cet épisode s'arrête du coup. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager et vous abonner. On se retrouve très vite pour la suite du coup de The Settlers 2. L'objectif ça va donc être de foutre des catapultes partout. Pour bien les embêter. Ah tiens, attends, j'ai envie de voir celui-là aussi. Les catapultes c'est pratique, hein. On peut tuer des ennemis sans les... Sans perte de soldats de notre côté. Il y en a tellement de pierres. 643. On en a dépensé pas mal quand même. On a fait des forteresses, des entrepôts, des trucs comme ça. Puis toutes les pierres qu'on a bazardées aussi sur les voisins. Oui, non, là ça sert à rien. Celle-là, elle va pouvoir s'en occuper là.
Bim, bim, bim. Plus bim ici aussi, je pense. Peut-être. Oh, c'était un peu loin. Oh, quoique. Pas intérêt à être occupé, mais je pense pas de façon. Toi, t'es coincé avec ton eau. Alors, il arrive le soldat ou il y en a pas en fait pour lui là? Peut-être pas de soldat prêt, hein. Peut-être une pénurie de soldats, je sais pas. Comment le savoir? Eh ben, c'est simple, on va aller voir la forteresse ici. Si, il y a des gens qui arrivent, regarde donc. Faut vite faire les catapultes là pour libérer des soldats par ici. Mais c'est bien là, ils sont en route. Il y a beaucoup de pierres, mais il n'y a pas beaucoup de bois. Ah, là le bois. Mais faut dire que le bois il vient de loin. Et là, j'ai 200 pierres ici aussi. Faire un petit peu le ménage. Je pense que c'est un petit peu mort pour trouver des ressources dans le coin. Faire du charbon. Toujours plus de charbon. C'est bien ça, le charbon. C'est convivial. Ah là là. Bon. Ici là. Non, toujours pas. Bah, je vais devoir m'arrêter, hein. Qu'est-ce que je te dise? Ah, si, il arrive. Bon, on va patienter un petit peu. Tant qu'il fasse le tour. Je peux en profiter pour vous rappeler de cliquer sur la description de cette vidéo. Vous pourrez avoir accès à une sélection de let's play qui pourrait vous plaire, un petit peu dans le même genre que Settlers. Il y en a plus de 80 sur ma chaîne, donc il y en aura forcément qui vous plairont. Stratégie, gestion, 4X, action, aventure, plateforme, RPG, simulation de vie, simulation de drague, etc. etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et sur tous les supports, PC, mobile, console, portable, console de salon, qu'est-ce que d'accord. Ah bah c'est très bien. Hop. Nouvelle catapulte du coup. Voilà. Je vais mettre une tour de garde pour changer. Je vais attendre un petit peu peut-être parce que là, voilà, si je la mets là et qu'il la finisse avant et qu'elle est occupée, je vais la perdre à cause de cette catapulte, donc on va d'abord péter ce qu'il y a dans le coin. Et après on verra. Encore. Ok, allez. Bâtiment occupé. Bien, voilà. Et une nouvelle catapulte. C'est parfait! Nouvel observateur, comme ça, on va voir si on se rapproche de la fameuse porte. J'ai hâte de savoir où elle se trouve. Je pense que là, on devrait au moins avoir un petit indice dans le prochain épisode. Je pense pas qu'on la prenne dans le prochain épisode, mais dans deux épisodes, on aura pris la porte. Faut quand même pas déconner. Ça fait un moment qu'on est sur cette mission. J'ai hâte de voir la suite, je suis jamais allé aussi loin dans The Settlers 2. En tout cas, merci à tous de me suivre, de suivre mes aventures. Je suis encore un petit peu curieux, donc je vais quand même attendre juste 2 secondes pour voir si lui il arrive à trouver la porte. On va s'attendre qu'elle soit aussi proche quand même. Il va falloir un peu plus de recul. Ouais, il y a encore vraiment beaucoup de trucs là, on se rend pas compte, mais ouais, il y a. Ah! Mais c'est pas grave, là, avec les catapultes, on va bien progresser. Allez, je m'arrête là. Je vous dis à très très vite pour la suite. Salut à tous.